Bien sûr, tout le monde se trouve pour une petite vidéo tranquille sur Naruto. Ce que fait, comme vous voyez, l'APK est disponible. Le jeu sur les Play Store est disponible sur iOS. Il arrive très bientôt. Je précise que c'est la version tout simplement asiatique, donc Sea, SEA, Southeast Sea. Et je vais vous faire un petit tour rapide comment pouvoir l'installer. Donc, premièrement, il vous faudra un VPN pour Play Store, pour Google, tout simplement. Il vous faudra tout simplement KiwiVPN. KiwiVPN. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez activer le KiwiVPN. Vous allez aller sur le site que je vais vous montrer là tout de suite. Celui-là. Bon, là, j'ai pas activé. Là, j'ai pas activé. Bon, je vais l'activer du coup. Mettre à jour, on se connecte. Donc, bon, il y a une petite page blanche, mais c'est pas grave, ça. Au pire, enfin, plutôt une page noire, une partie en noir. On attend juste que ça se connecte. Et on refait normalement, là, ça va marcher. Singapour. Bon, ça met du temps parce que j'ai. Voilà, je fais une mauvaise manip. Donc voilà, on est ici. On ferme ça, on ferme ça. Et on actualise. Plutôt, on va rouvrir une page parce que ça ne détecte pas la page. Donc voilà, ce que vous allez faire ici, dès que vous arrivez ici, tout simplement, vu que vous êtes actif sur le VPN, vous allez tout simplement appuyer soit sur Gatchitone, Google Play, si vous êtes sur Google, si vous êtes sur iOS, vous appuyez dessus. Bon, moi je peux pas parce que tout simplement, je suis sur l'émulateur, enfin le site qui détecte pas ce site-là, donc. Faut faire ça et ça me renvoie sur cette page là. Le logo de Naruto, l'arrière-plan de Naruto doit être en jaune et pas en rouge. L'arrière-plan en rouge, c'est la version européenne et nord-américaine, donc enfin Amérique du Nord. Donc vous allez arriver ici, vous voyez que même les screenshots sont complètement différents. Vous voyez? Donc moi je vous conseille tout simplement d'attendre. Enfin, je vous conseille de faire cette façon. Il y a aussi une autre façon, je ne vais pas vous la montrer parce que elle a encore des petits bugs. C'est une APK mais elle a des bugs, donc elle n'est pas encore sûre à 100%. Je vous mettrai le lien du Discord où ils vont vous aider. Donc c'est le lien Discord global. Donc il faut parler en anglais. Je vais vous mettre le lien du site, le lien aussi du KiwiVPN ou d'autres VPN si vous avez TunnelBear ou NordVPN ou autre du même style. Donc voilà. Dans le pire des cas, vous attendez. Il y aura une APK d'ici quelques heures. Et voilà, c'est tout. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça fera énormément plaisir. Et ciao!